m'appelle Brice Garcia, je suis logisticien au CESU de Rouen. J'ai 38 ans, j'ai exercé pendant 10 ans en tant qu'aide-soignant à Beau-Guillaume, en convalescence puis soins de suite. Et après, je suis descendu au CHU de Rouen en réanimation, dans divers réanimations. Et maintenant, je suis arrivé au logisticien suite à un accident de la vie au CESU 76A. Où j'ai été encadré pendant un an avec des mi-temps thérapeutiques, etc. J'ai repris petit à petit goût au travail et puis après l'opportunité d'avoir le poste de logisticien au CESU. On m'a demandé si ça me plaisait, j'ai fait deux mois d'essai à peu près, voir un petit peu comment ça se passait, si ça me plaisait, etc. Ça m'a plu et je suis arrivé en janvier 2018 au CESU et depuis je ne veux plus partir, tout simplement. C'est déjà la diversité du travail, c'est jamais la même chose, aucun jour se ressemble. Il y a vraiment des jours où je vais faire de la maintenance du matin au soir, il y a des jours où je vais faire de la simulation, il y a des jours où il faut aller chercher du matériel, il y a des jours où il faut faire les commandes, il y a des montages de formation. J'ai la chance que l'encadrement et le directeur du CESU me mettent dans la boucle, donc je participe à énormément de réunions. Je découvre énormément de choses que j'aurais jamais découvert avec mon métier d'aide-soignant d'avant. Rentrer au CHU, c'était une conviction personnelle, la fonction publique. Après, quand je suis rentré, on m'avait parlé des formations diverses et variées qu'on pouvait faire sur l'évolution de carrière. Donc quand on rentre, on ne pense pas forcément à ça tout de suite parce que voilà, on est bien, on se sent bien dans le service où on est. Et à un moment de ma vie, là, je voulais changer. Donc on peut changer de service assez facilement. Donc on voit, on peut passer de la gériatrie à de la réa aux urgences. Et après, voilà, moi j'ai eu mon accident de la vie qui m'a chamboulé tout mon plan de carrière. Grâce au CHU, j'ai pu retrouver un travail, j'ai pu travailler, je m'épanouis dans mon nouveau travail et je ne veux pas changer. Donc il faut venir nous rejoindre, c'est franchement, c'est une grande chance d'être au CHU de Rouen.